La boutique à Los Angeles qui sait mélanger les objets vintage au luxe à la française, mais aussi à la londonienne, à l'italienne. Bref, vous allez pouvoir trouver un assortiment parfait de marques internationales qui viennent des quatre coins du monde, mélangées à des designers locaux. Ici, vous venez pour dénicher la pièce rare. Jenny Lee, la propriétaire de Satin, au départ a commencé seulement avec des chaussures et des accessoires. Une petite boutique qui, au fur et à mesure de sa réputation et de toutes les stars et les stylistes américaines qui venaient dans sa boutique, elle a décidé d'augmenter sa collection en amenant des vêtements. Mais en plus, elle a créé sa propre ligne avec des jupes plissées aux couleurs complètement acidulées, ou bien encore des robes à la fois casual chic que l'on peut aussi bien porter la journée ou sur le red carpet, le tout inspiré du vintage et de cette ambiance un petit peu laid back chic de Los Angeles. Voilà la définition propre de Satin. Elle trouve des petits sacs vintage qu'elle mélange avec des designers assez luxueux. Il faut savoir qu'ici, les prix aussi entre un jean à 300$ et un petit t-shirt à 150. Les robes sont plutôt autour de 500$ et montent jusqu'à 2000$. On est plutôt sur du haut de gamme, mais on est quand même dans une ambiance un peu baba cool sur Melrose Place. Ici, c'est Los Angeles, la musique est canon, on a trop envie de mettre son iPod et d'enregistrer toutes les musiques. Ici, vous allez aussi trouver des designers locaux de petits bijoux fantasy comme Vanessa Arrigada, qui est une latine et qui fait des bijoux complètement loufoques, un peu disjonctés, mais finalement facile à porter et qui rentre très très bien au poignet avec un mélange de petites strass, de perles, de, voyez, de petites nattes avec des couleurs différentes et des petits objets vintage qu'elle déniche dans les marchés de Los Angeles. Celui-ci est plutôt marrant avec une tête de mort et monté sur un chapelet. Alors là, pour le coup, c'est vraiment one of a kind, hein, parce que là, vous avez des petits mini-burgers et son objectif est de faire des bracelets que vous allez trouver nulle part ailleurs. Et Satin est vraiment aussi l'endroit ici qui déniche les futurs talents. Alors, Satin a ce don de savoir à la fois satisfaire un public local de Los Angeles avec un mélange de petits shorts et de t-shirts plutôt blousés dans des couleurs acidulées qui se prêtent à la plage ou bien à un climat plutôt favorable, puisqu'ici, il faut savoir que 350 jours par an, eh bien, il y a du soleil, ce qui n'est pas forcément le cas pour Londres, Paris ou New York. Ou là, au contraire, vous pouvez venir aussi pour faire du shopping et trouver des manteaux dans des matières en cachemire, des petits blousons en cuir, des jeans plutôt moulants et assortir ça avec des vêtements plutôt luxe, avec des marques très connues, mélangées à des créateurs complètement locaux, inconnus et trouver des pièces rares et originales.